Bonjour et bienvenue, un nouvel épisode, épisode 11, je crois bien, de Phoenix Point. On avance dans... Oh, on a tellement d'objectifs, c'est ouf, quoi. On avance dans nos recherches, constructions, etc., etc. Donc, on a fait une mission de récupération de ressources la dernière fois. Ça s'est extrêmement, extrêmement bien passé. On a récupéré de la technologie et des matériaux. J'étais en train de réfléchir parce que je suis allé revérifier en fait ce que c'était cette mission. Honnêtement, on n'a pas besoin de ramener beaucoup de personnes. En fait, il faut surtout un véhicule. Il faut surtout un véhicule. Donc, c'est pas très très grave. On a un scarabée. Je voudrais bien en trouver d'autres de véhicules. Parce que je sais qu'il y a des missions où on peut en trouver d'autres. Mais pour le moment, on n'a pas trop de chance. Mais ouais. En tout cas, on va créer un Helios. On va créer un Helios, je suis allé regarder, c'est vrai que faire un deuxième Manticore, en fait, ça va pas trop nous aider. Helios va être vraiment beaucoup plus intéressant, Le Tiamat, c'est sympa, mais sans plus, comme j'ai dit, vu qu'il est extrêmement lent, ça va être un problème. Après, on a quoi d'autre? Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas grand-chose. Ils nous ont pas partagé énormément de choses. Donc on a le Manticore, le Tiamat et l'Helios. Il nous manque le... Je crois que c'est l'oiseau de foudre de Jericho. L'oiseau de foudre de Jericho, il va un tout petit peu plus vite que le Tiamat. C'est genre 380 au lieu de 350. Tiamat, c'est 350. Et on a une personne de moins en capacité. Après, je crois qu'on peut l'augmenter, la capacité de l'oiseau de foudre. Donc on peut mettre jusqu'à 8 au lieu de 7. Mais pour gagner genre 30 de vitesse, ça sert à rien en fait. Honnêtement, comme j'ai dit, autant faire des du double Helios. Du double Helios ou du Manticore en fait. C'est vraiment le truc en fait. Je pense que ces deux-là, c'est tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez jouer différemment en fait. Tous les styles sont permis. Hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je pense me concentrer sur ça. Donc on est toujours sur l'optique de vouloir faire un Helios, si j'y pense. Ça fait beaucoup de ressources, hein, parce qu'on pourrait faire quand même pas mal de choses. Mais je réfléchis un peu... On est toujours dans l'optique de faire un Helios. On pourrait bien augmenter nos bases. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a encore... On a pas mal de ressources encore, de technologies en fait. Même si on fait un Helios. Même si on fait un Helios, on va avoir pas mal de technologies. Ah oui, on avait vu ça, 2 pour 12. Ça c'est... Ouah, c'est trop bien ça. Donc on va aller là. Et ce qu'on va faire, donc notre équipe a besoin de se reposer. Le Scarab a besoin de se faire réparer aussi. Donc on va faire ça, fait voir échange. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je suis pas très fan hein, d'utiliser la technologie, mais là, pour 2 pour 12... Si c'était 2 pour 10 encore, là, je me dis, ah, c'est bien, c'est potable, mais là, 2 pour 12, c'est quand même un peu énorme. C'est pour récupérer de la technologie. Là aussi, on a encore 2 pour 12. Ça peut être pas mal. Donc, ouais, on va lancer l'Helios, je pense. On va lancer l'Helios maintenant. C'est un gros choix en fait. Parce que 1000, plus de 1000 de matériaux et plus de 240 de trucs, c'est quand même genre un bâtiment. Hein. C'est un bâtiment plus en ressources. Donc c'est quand même énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut bien penser à ça. Et on a encore 140 et 200. Honnêtement, ça va. Par contre, je voudrais peut-être des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes parce qu'on a un peu un petit surplus de personnel. Un petit surplus de pommes de nourriture. Donc quoi. Toi, t'as un tireur d'élite qui a voleur. Ouh, ça c'est bien, prévoyant. Hey, putain, waouh, ok. À la limite, pour tireur d'élite, j'aurais bien voulu genre le quart arrière. J'aurais voulu à la place. Qu'il est mieux avec les armes à distance. Mais voleur, c'est vachement bien. Parce que je voudrais en faire des furtifs, en fait, après. Prévoyant,
C'est vachement bien aussi, parce qu'il y a 2 points de volonté en plus. Et après, la portée des grenades et points de vitesse. À la limite, c'est... Je sais pas si la portée des grenades, ça fonctionne avec... vous savez, les trucs qui tirent les drones araignées. Je pense pas, je sais pas. Faudra faire des tests si ça marche. Parce que vu que c'est compté comme un truc qu'on projette, c'est comme un lance-grenade, en fait. Donc, est-ce que ça fonctionne pour ça? Je sais pas. Mais bon, par contre, il y a 2 points de vitesse aussi. Donc ça, c'est bien, parce que les points de vitesse, c'est un peu la merde avec eux. Toi, t'es quoi? T'es une unité d'assaut. Bof. Je dirais pas non pour le prendre, mais en fait il est pas très cher. Alors à moins qu'on ait vraiment quelqu'un genre de nettement mieux qui traîne. Ça c'est quoi l'icône du sniper? C'est pas ça. Ça c'est un assaut ça. Assaut niveau 3. Ouais mais il est à 1100 et quelques. Mutation de torse régénérant. Disciple d'Anu. Ah il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal, hein, mais c'est 1100, c'est énormissime. Après là on a des pommes. Ouais, mais on a que 140, on va pas prendre. On va pas prendre. Et là maintenant on a plus. Ça c'est un berserker, niveau 2. Encore un berserker. On regarde un peu les recrues. Un assaut. Ça, c'est en train d'être construit, ça aussi. En train d'être construit. On n'a pas énormément de choix. On n'a pas de sniper, en fait. Intéressant. Intéressant. Ça marche. Ça marche, ça marche. Ouais, non, on va prendre ça. Je veux un sniper qui... Je veux plusieurs snipers, honnêtement, les tireurs d'élite, ça aide énormément. Ouais. Après, on a 292, on va pas prendre ça. Personnel, ils sont tous ça. Parce qu'il faut qu'ils augmentent. Vous voyez, des gens qui ont jamais pris part au combat sont déjà niveau 3. Et là, ça va être de plus en plus rapide. Ça va être de plus en plus rapide. Est-ce que je voudrais, en parlant de rapidité, c'est encore un dernier centre. Un dernier centre d'entraînement. Comme ça, notre équipe pourra vraiment augmenter très vite. Et après, on laissera cette base et on pourra se concentrer sur autre chose. Ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Idéalement, je voudrais bien lancer un centre d'entraînement. Mais ça va être chaud parce qu'après, on va manquer de ressorts. Donc on va voir. En tout cas, on rentre à la base. Faut qu'on... Ok, technologie de fusion. C'est bon. On n'aura plus de problème d'énergie maintenant. Ok, en train de construire le refuge, c'est bien. Alors, le Scarab, t'as bien travaillé. Violetta, tu peux te reposer. Rosa, Kerstin, vous pouvez rester. Faites voir un peu après. Hop. Ok. Donc on est à 5. En parlant d'un deuxième sniper. Alors vas-y, attends. On a 2 assauts. On pourrait prendre un deuxième sniper. Par contre, la question, c'est est-ce qu'on a un sniper, en fait? Ah, ben non, mais je suis bête. Je vais qu'à changer l'équipement. Petit corps. Ben non, c'est pas des snipers qu'ils ont. Mais non, je suis bête. Ah, il manque un sniper. Il nous manque des armes un peu précises, genre... J'avoue qu'un Firebird en plus, ça serait bien, par exemple. Et là, c'est un peu moins cher à faire. Ah, j'avoue, hein, c'est combien de temps pour faire un sniper? C'est 10 heures. Ouais. 10 heures. Ouais, peut-être qu'on finira avant. Peut-être qu'on finira avant. Je vais voir. Violetta, par contre, on va t'enlever ça. Je suis désolé, mais
C'est comme ça, on va aussi enlever les munitions. Bah, le soin, ça va, on en a plein. Ah, très bien. Un soin. Est-ce qu'on a un... on a chargeur pour ça? On n'a pas d'autres pistolets en fait. Même les pistolets, ça manque un peu. En théorie, on devrait avoir le sniper avant qu'on fasse quoi que ce soit. Alors maintenant, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Là, on a une urgence, là, on a le marché à faire. On va pas le faire. Je pense qu'on va juste essayer de découvrir des sites jusqu'à ce que... On a ça aussi que je voudrais bien faire, mais le scarab est abîmé. Donc du coup, on va attendre un peu. On peut aller faire des recherches ici. Pourquoi ici? Parce que c'est proche de là, et du coup, parce que là c'est un peu loin. Et du coup, si jamais on se fait appeler, genre pour aider un refuge, on devrait avoir le temps de revenir. Fabrication du fire, c'est bon. Lance grenade, très bien. Alors le Tiamat, on ne veut pas pour le moment. On a le fusil laser, mais bon, normalement on devrait avoir les lasers bientôt. Alors, il y a le L2 hein, qui m'intéresse, hein, mais c'est encore 2 jours, c'est très très long à faire. Alors, dégâts aux sentinelles de brume sont augmentés de 15%, ça peut être pas mal. Je voudrais des trucs qui me permettent de faire des améliorations. Alors, autopsie de sirène. Ok. Maintenant, on a le Goliath. Le Goliath, c'est vachement bien. C'est un lance-grenade, hein. C'est vachement cool. Mais, alors ça coûte cher à faire, et le pire, c'est les munitions. 110 à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment le truc qu'on veut faire, genre, facilement. Ok, c'est bon. Ça. Oh, il faut des munitions. Ouais, il faut des ressources. Hein. Alors, après quelques heures d'opération, rien d'utile. Ça marche. Alors, mélancolie de l'exarque. L'exarque Gouveia du refuge Sina Utum est désespéré. Nombre des machines ordinaires sont en panne, mais l'anagnoste du refuge a récupéré toutes les pièces de rechange pour ses machines sacrées. C'est intéressant d'être exarque, annonce-t-elle à nos agents. En théorie, je suis responsable du refuge, mais il y a bien d'autres forces en jeu et parfois je n'ai aucune autorité. Dans l'immédiat, je ne peux qu'espérer que vous soyez disposé à faire un échange. L'aider en échange de ressources, l'aider gratuitement, faire appel au légal aveugle. Oh, j'étais d'accord. Je crois que l'aider gratuitement, c'est quoi? C'est Jericho, ça? À chaque fois, je sais jamais, ça, en fait. Parce que dans les écritures, ils expliquent pas vraiment. Ça, c'est quoi, ça? C'est Synédrion, ça. L'aider gratuitement, normalement, ils vont être vraiment contents, je pense. Non, c'est Anu, c'est Anu. Oh là là. Plus 6, ouais, très très bon. Ah, j'aurais eu dans l'espoir de... fais voir Anu. Anu 24. Ok, c'est bien. Échange. Alors, mensuate.
Au refuge mensuel, une jeune femme aborde nos agents. Elle n'est pas infectée, mais elle a été sélectionnée pour être escortée à la chambre de baptême et bénie par les eaux de vie, ce qui signifie qu'elle sera intentionnellement exposée au Pandora virus. Les effets du virus seront ensuite interrompus par les méthodes secrètes des disciples, permettant à son corps de se transformer tout en gardant son esprit saint. Ok. La jeune fille et la non, la jeune femme est la fille d'un officier haut placé de la Nouvelle Jéricho. Il a envoyé plusieurs messages exigeant l'annulation de la conversion et le retour de sa fille. Toutefois, elle n'a aucune intention de revenir. Elle a abandonné la Nouvelle Jéricho pour rechercher les enseignements de l'exalté, mais cela ne l'empêche pas d'être nerveuse devant les conseils. Alors, l'encourager à se convertir, l'enlever la ramener à son père. L'encourager à rentrer chez elle, ou alors c'est une question de liberté de religion. Ah, ça nous... Ouais, on va pas s'impliquer. Alors... Il y a Synédrion qui aime bien. Putain, le reste, c'est... Aïe, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Research complete. Ok, c'est bien. Construction complete. Alors, usine de fabrication construit. Yes! Oh, on va le faire plus vite! 3 jours. Je crois. Ah non, quoique. Voilà. Non, ça a pas l'air d'aller plus vite. Ouais, c'est pareil. De l'avoir commencé maintenant ou après, c'est pareil. Ouais, là je suis pas très content là ce qui s'est passé pour la diplomatie, c'est pas top. C'est vraiment pas top. On n'arrive pas à dépasser les 25. Ça commence à me gaver en fait. Alors, faire attention à ça, 4 jours encore, c'est bon. Alors, site d'exploration, ce qui apparaît d'abord comme un bunker qui pourrait abriter des survivants, s'avère être des archives. À un moment donné, avant son effondrement, quelqu'un a utilisé cette installation pour sauvegarder une vaste collection de jeux sur ordinateur pour le système d'exploitation DOS depuis longtemps disparu. La nouvelle de cette découverte entraîne une vague inhabituelle de nostalgie et d'enthousiasme. Pour finir, la Nouvelle Jéricho et le Synédrion demandent le partage du matériel. Partager avec tout le monde. Tout le monde est satisfait. Pendant un court instant, il semble que nous pourrions tous nous entendre. Ben voilà. Hein, faites pas chier, quoi. Merde. Ça, il faudra le faire. Bon, maintenant, c'est dans la brume. Ça va être dans la brume. C'est pas grave. D'exploration vestige. Nos agents ont repéré un avant-poste militaire abandonné. Nous ne savons pas avec certitude à quelle nation appartenait l'armée, car le gouvernement de cette région s'est complètement fracturé pendant la Troisième Guerre mondiale. Inspectez le site. Toutes les sources disponibles ont été récupérées. Aucune autre information concernant ce site en soi n'a été découverte. Matériaux, techno, vivre, très bon. Alors, Dilbat, refuge sûr. Nos agents se sont retrouvés impliqués dans une affaire diplomatique potentiellement désastreuse du refuge. Il semblerait qu'un transfuge de la... Ouais, un transfuge de la Nouvelle Jéricho demande l'asile. La Nouvelle Jéricho exige le retour de son soldat. Faire pression pour la demande d'asile soit accordée, recruter le soldat, insister sur le fait que l'asile n'est pas une option, en soudoyant quiconque n'est pas d'accord. On va recruter le soldat. Alors, il n'existe aucune autre solution qui ne passerait, qui ne poserait pas de problème plus tard. Et le Phoenix, le projet Phoenix peut toujours utiliser davantage de recrues. La Nouvelle Jéricho et les disciples d'Anu ne sont pas particulièrement satisfaits, mais ils ne peuvent pas non plus s'en offusquer. Nickel. Du coup, on a récupéré... Adèle. Adèle, t'es un assaut...
Ouais, ça c'est bien. Oh, fantassin, c'est cool. Un assaut fantassin. Toi, tu vas être bien, toi. Toi, je vois un bon avenir pour toi. Et vous voyez, les autres, ils n'arrêtent pas de monter de niveau, c'est cool. Hop. Spécialiste en autodéfense. Non, on n'en a pas besoin. Hop, un peu d'HP quand même. Le cri de guerre. Ça, on gardera les PC. Le refuge de la nouvelle Jéricho. Technologie. Est-ce qu'on peut... On est à 3 jours. Hein. 3 jours, 17 h. Ok, ça marche. Et voilà. Centre d'entraînement. Yes. Centre d'entraînement. Il nous restera 88 de technologie. Ça sera suffisant pour faire des munitions. Alors, Neuchenaï. Au refuge Neuchenaï, nos agents sont abordés par Leila, un écrivain travaillant sur une histoire orale du Pandora virus qui aimerait les interviewer sur leur expérience sur le terrain. Elle a déjà également interviewé des habitants de la Nouvelle-Jéricho et d'autres refuges. Et son but est de créer un document complexe et à différents niveaux qui retranscrit la vie des êtres humains en cette ère. En supposant, bien entendu, qu'il resterait quelqu'un pour le lire. Alors, les disciples d'Anu désapprouvent son travail car ils pensent qu'il légitime en trop grande partie l'idée de la chute de l'ancien monde, était plus tragique que nécessaire. Selon eux, les récits de la chute doivent se concentrer sur la capacité de l'humanité à s'adapter et à grandir, sur le changement que nous devons effectuer et sur les opportunités qui nous entourent, plutôt que se complaire dans la nostalgie et l'apitoiement sur soi. Merde. Bon, Anu, ils font un peu chier là. Bon, Anu, on s'entend bien avec eux, donc on peut leur dire un peu d'aller se faire voir de temps en temps. Cinédrillon a aimé, refuge a aimé, vous avez perdu 10 points d'endurance, 50 points de compétence ont été obtenus. Yeah! On a eu 50 PC! Ça vaut le coup? Ça vaut largement le coup. Va un peu. Ça fait un peu cher quand même. Research complete. Autopsie sur les sirènes, fini. Alors, fais voir un peu. Ah, oh, c'est encore une. Waouh. C'est ouf, quoi. On a plein de. On a plein de sites comme ça, quoi, c'est incroyable. Bon, par contre, là, on commence à être très loin de la zone. Et honnêtement, si on doit revenir là en catastrophe, on n'y arrivera pas. Donc, on va rentrer maintenant. Non, mais c'est abusé, quoi. Ah! Vous voyez, faut toujours penser à ça. Ah, personnel, on a des recrues. Ça, c'est un nouveau. C'est quoi? C'est un assaut. Alors. Homme fort. Pour un assaut. Ah oui, non, c'est un assaut. Ouais, c'est pas intéressant. Faut toujours penser à ça, vous voyez.
On est bien. On est bien. On va faire ça. On va faire cette... Bah, ça sera la mission de notre épisode, je pense. La prochaine fois, on fera ça directement. On n'a pas besoin d'attendre les 3 jours. Si quand notre équipe sera prête, on y va. On n'a pas besoin du Thunderbird, en fait. Du Thunderbird, du Helios, au final. Mais bon, il est bientôt fini, de toute façon. Ça, c'est cool qu'on ait un troisième. Il nous faudra un autre labo. Je suis content aussi qu'on ait avancé genre dans la construction du centre d'entraînement. Ça va être bien. Genre 3 centres d'entraînement, honnêtement, ça va faire la différence. Après, ce qu'on peut faire, en théorie, on peut genre enlever des stations et faire du centre d'entraînement, en fait. Genre seulement ça. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est l'entrepôt. C'est le démolir. Parce que l'entrepôt, honnêtement, vous n'aurez jamais besoin de 400 et quelques places. 200, c'est largement suffisant. Et encore, à la limite, vous pouvez en avoir un d'entrepôt. Mais à la limite, on peut enlever l'entrepôt et faire un 4e centre d'entraînement. Après, détruire genre les stations médicales et tout ça, non, parce que c'est un peu notre endroit pour le moment où on se repose. Mais ouais, on pourrait faire ça. On va les aider. Yay! Pandorien qui augmente encore parce que voilà. On a la sirène perturbatrice. Elle fait du contrôle mental, celle-là. On va faire attention. Oh non, c'est les purs. Attends. Ouh, c'est les purs. Putain, on n'a pas de sniper. Enfin, quoi que... Ouais, ça passe, ça passe. Il nous faudrait des snipers de la nouvelle Jericho, en fait. Ah tiens, le berserker. On a une arme pour toi. On a une arme. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je vais voir. Ouh, ça va être sympa ça. Ouais, on va tester ça un peu. Alors toi, avec l'anti-blindage, tu peux être efficace. C'est de tirer plusieurs fois au pistolet. Ou alors de la grenade, donc c'est pour ça qu'on va faire ça. Alors... On a combien d'assauts? On a 2 assauts. Ok, par contre, une chose bonne, c'est qu'on a ça. Par contre, on n'a qu'un seul chargeur, ça m'embête. Si je mets... Ça va, tu peux transporter. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va combattre des... Les purs. Les purs, c'est des robots qui sont complètement pétés. Et honnêtement, beaucoup de gens se plaignent que de mettre ce DLC... Alors on peut faire des gens en fait robotisés et tout ça, ce qui est vraiment cool. Ça rappelle un peu XCOM 1 avec le DLC là qui avait été rajouté, mais ça débloque du coup les purs hein. C'est avec le projet 24 je crois, c'est ça qui disait que personne n'était à l'abri. Et honnêtement, ça fait super mal, ils sont super dangereux, ils sont super dangereux. Ils sont super violents. Donc, compliqué à combattre. Faut vraiment les connaître. Visée rapide. Très bien. Vous voyez, lui, il vient de... On est d'accord que lui, il vient juste de rejoindre. Il est déjà niveau 3. Vous voyez ? Je dirais que c'est utile. Donc, ouais. Ils sont méga vénères. Et le mieux, ce qu'il faut, c'est des armes qui déchiquetent. Honnêtement. Là, on a 2 snipers. Donc, ça va. Les balles, elles traversent. Ça peut être utile. Mais très compliqué de combattre les purs. Après, une bonne défense. Donc ça devrait aller. Ouais, ça va aller. T'as des munes toi en plus. Ouais. Faire un dernier tour. Tout le monde a du soin. Ah, à la limite, je peux te donner ça. C'est le...
C'est le... ça fait paralysie, ça va pas être utile sur les purs. Très bien. Toi, t'as 15. Très bien. On a 80 points pour le moment, je les garde de côté. Ok. Ouh, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais en plus de combattre les purs, par contre, ils sont tous équipés de Jericho. Parce que c'est des, à la base, c'était une expérience de Jericho. Donc ils sont tous équipés en armes de Jericho, donc tout en gosse. Ça c'est bien pour récupérer genre sniper, mitrailleuse et tout ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Mais ils sont vénères, ils sont méga vénères. Il faut savoir les combattre, genre vous pouvez pas tirer dans l'armure, ils ont 40 et tout dans les bras et tout, c'est une catastrophe. C'est pour ça, les snipers brillent de mille feux en fait dans ce type de mission contre les purs. Je vais vous montrer un pur. Donc ça, c'est un pur heavy. Enfin, mastodonte, quoi. Donc, c'est tous des robots, du coup. Donc, ils ont tout plein de résistance et tout. Donc, nouvelle Jericho. Ils ont un bouclier aussi qu'ils vont déployer tout le temps. Ils ont, genre, 45 d'armure, le corps. La tête, c'est 30. Les jambes, c'est 40 aussi. Donc, 45 d'armure. Les bras aussi, du coup, ils ont 45. Hein. Donc, voilà. Déployer le bouclier, augmentation bionique, état de démolition, il peut faire plein de trucs. Immunité contre le contrôle, augmentation bionique, donc immunité au saignement et tout ça, résistance au viral, poison, paralysie. Par contre, il est vulnérable à l'acide, mais bon, on n'a pas encore de trucs d'acide. Immunité contre la gelée, absorption des chocs d'atterrissage, enfin voilà. Ils sont bien pétés. Par contre, ils n'ont pas beaucoup de vie. 180, c'est tout. Ils augmentent pas en fait leur vie. Ils ont toujours 180. Oh mon dieu, on en avait plein. Ils sont... Ça c'est un peu la bonne chose en fait. Alors, éliminer les structures clés protégées. Il y en a combien de structures clés? Il y en a plusieurs en fait. Après on a un bon lieu. Ah c'est marrant ça, ça descend comme ça. Là. On a un bon lieu. On est en hauteur, on a deux structures à protéger en hauteur. On a une troisième en plein milieu. Ouf, on a beaucoup d'endroits en fait. C'est chiant. C'est chiant. Évidemment, t'es derrière un arbre. Parce que sinon, ça serait pas drôle. Toi, tu vois strictement rien. Voilà, très bien. Rolling. Alors après, ils ont tout le temps des armes à deux mains. Donc, détruire leurs bras, c'est bon quoi. Ils vont fuir. Bon, par contre, ils vont fuir. Du coup, ça, c'est un problème. Ah, tiens, on a nul là. C'est un anu assaut. Du coup, ils vont fuir. Ça, c'est un peu la merde. Donc, nous, on voudrait... Nous, idéalement, c'est de tuer pour aller récupérer, bien sûr, leur équipement, évidemment. Ennemis détectés. Sont loin, ça va. Moving in quick. Annula, très bien. Target located. Here I am. Let's do this. Il y en a beaucoup quand même.
Il y en a beaucoup. On a une belle position pour les snipers, je vais être franc. Ils ont des fusils à pompe. Les fusils à pompe, je crois que ça ignore l'armure. Je sais que les balles de sniper ignorent l'armure, ça passe à travers. Le fusil à pompe, je sais pas. Je sais pas. Lui, c'est bête parce que lui, je crois qu'il va fuir directement. J'aurais bien voulu le tuer. On va aller aider Anu. On va aider Anu avec... Oh, il y a Anu là-bas. On va aider Anu avec le support de... De l'assaut. Mastodonte. Le berserker. Ouais. Attends, on va se mettre là. J'espère qu'il n'y en a pas à ce côté-là. Normalement, non. I'll be right there. Le truc, c'est qu'on est bien placé. Après, il y en a beaucoup, hein, mais on est bien placé. Oh la vache. Ouais, non, le problème, ça va être ça. Les structures, elles sont pourries. Va falloir... On va en perdre énormément, je pense, qu'on va se finir au centre. Oh putain, il a ça, quoi. Quelle merde. Ils perdent de la volonté à chaque fois. Je sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est parce qu'ils utilisent leur... leur bouclier. Ah ouais. Toi, t'es un peu exposé comme un idiot, hein, quand même. Ah, lui, il va partir. Okay. Ouais. Il va partir. Let me see. C'est très, 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 très loin. I was born ready. Extrêmement loin. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde là. Pour l'instant, en tout cas, ça a pas bougé. De toute façon, il y a une structure, donc ils auraient commencé à tirer sur la structure s'il y avait du monde. Donc je pense qu'ils sont tous plus ou moins au même endroit. Après, j'avoue que là, avec des missiles et tout, vu qu'ils sont tous au même endroit, ça aurait pu être cool. Ouais, je crois que les snipers sont trop loin. On va peut-être mettre les snipers genre ici, on aurait peut-être une meilleure vue. Je sais pas. Parce que là... Là ça fait quand même... Ça fait quand même une bonne marge de tir raté. Hein. Surtout qu'il faut bien tirer parce qu'ils ont un bouclier à chaque fois. Donc je crois que les snipers on va devoir les avancer. Hein. Même si je m'avance là, ça va pas changer grand chose. Toi t'as pris un peu cher, ça fait chier. I'm prepared. On va se mettre en hauteur. I'll be right there.
va essayer déjà de faire ce groupe là, puis après les autres ils arriveront. Question c'est est-ce que je veux récupérer cet Anu ? Il est l'air, il est quand même méga loin. Donc on n'a pas Violetta avec nous. Cette tourelle à la con aussi. Jamais ça passe. Repositioning, prioritizing speed. Essayer de leur tomber dessus. De là, c'est pas vraiment utile. Moving in quick. Il a une belle vue, hein, mais encore une fois, ça m'étonnerait que ça passe. On va voir. C'est un peu mieux. Et pas un autre. Et ouais. Ah, t'as touché le bouclier quand même. Okay, cool. Par contre, on va t'avancer. I'm going in. M'étonnerait de laisser les deux snipers seraient intelligents. On va la mettre là, elle. Les snipers vont vraiment nous aider. Waouh, le mec. Chaud quand même. Putain, mais toi tu te mets en plein découvert, tu vas te faire défoncer. Bien joué, hein, bien joué, Anu. C'est inutile. Oh la vache. Il a bien tiré, hein, ce coup. Peut-être qu'on va pouvoir le soigner, je sais pas. Ah, peut-être que l'Anu va pouvoir taper. Ils ont pas d'armes. Ils ont pas d'armes, les techniciens. Ah si. Bon bah non. Ce sera pas soigné. Alors, je vais voir un peu ta visibilité. Il y a trop de poteaux quoi. Oh là là. Attends, après je peux me déplacer là. On my way. All I need is a clear shot. Foi, c'est limité, hein.
Ouais, c'est bien. C'est bien. Receiving in my sights. Il n'y a pas de protection là, putain. Vous verrez moi ces... ces saloperies de peau là. On va un peu. Ok, là c'est pas mal. Taking aim. C'est pas mal là. Ce n'est point mal. Oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, on va faire. C'est quoi ça? Ah non, récupère. Ah, mais t'as pas de. Ok, t'as pas de truc. Ready to fire. Nice. Nice, ouais. Ah, vite fait, hein. Vite fait, nice, hein, quand même. Vite fait. Faudrait le tuer quand même. No rest for the wicked. Je fais ça pour éviter d'utiliser tous mes points d'action, comme ça après je peux me cacher. Ok, alors faut faire attention parce qu'il y a toujours lui. On pourrait se mettre là, mais. Ça voudrait dire on se met au même endroit que l'autre. Et ça s'est pas très bien passé. Oh la vache, mais toi t'as un mur en plus. Oh yo yo. C'est bien. C'est... T'as l'impression de taper des tanks. T'as simplement l'impression de tirer sur des tanks. Pistolet. Ah, quoi, ah non, oui, tu as tiré le pistolet. Ouais. Putain, j'ai tiré en plein centre, quoi. Ah, étourdi. Ouais, c'est 200 d'étourdissement. Bon, au final, c'est pas mal. L'attaque mêlée. Putain, j'espère qu'elle va survivre. Ou il va survivre. Parce que j'avais un peu peur d'y aller en mêlée. Mais au final, ouais, ça a l'air de passer. Ah, il a de la chance, lui. Ah non. Non, ça va. Merde, il va mourir. Ah,
C'est vraiment pas précis ces trucs. Ah, panique. Nique-toi. Nique-toi. Mon sniper qui sert à rien. Vous croyez que la tourelle elle peut me tirer dessus d'ici? Ah non. C'est vrai qu'on peut voir, vu que c'est une tourelle, on peut voir la zone en fait. Advancing. Identifying target. On va faire ça. Pour qu'on puisse rebouger après. Trying to aim. Yes, did it. Bien joué. Voilà. Bien joué. Alors. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors on a le. On a la bonne vieille grenade qui fait rire. Ouais mais non mais t'as plus l'habilité maintenant. Ça sert un peu à rien. Tu peux. Et si on tape. Je vais pas pouvoir me déplacer en fait. Et il y en a deux plus tourelles. Donc le mec, on va le tuer. On va le suicider en fait. Si j'y vais comme ça. On va récupérer. On est dans. On est très mal placé. C'est ça notre problème de position là. On est très mal placé. Pas vraiment de façon de les attaquer. Ils peuvent pas vraiment nous attaquer. Enfin oui, eux si, ils peuvent. On va peut-être se mettre là. Sprinting. Bien joué. Tu vas plus te mettre à couvert hein, quand même. Heureux qu'on est on est caché. Gotcha. Pas mal. Et il nous avait pas vu. Ah. Tiens encore un peu toi. Ouais non, tu vas mourir là. Saloperie de tourelle. Une putain de zone quand même. Ok. Du coup toi tu peux toujours pas jouer parce que t'as paniqué. Voilà, toi c'est pourri ça. Daddy. Bon, ça c'est une bonne chose que tu sois près de nous. Car on va pouvoir te faire très mal. On a toujours lui à gérer. Je voudrais bien que les snipers aient une vue sur lui et qu'on puisse lui mettre des balles à la tête. Euh.
c'est toi. Hein. Ouais. Gotta focus. Target missed. Shit. Voir si c'est assez. C'est quoi 160 de dégâts. Ah bah ça va, normalement tu meurs, non? Peut-être pas vraiment. Ok. Preparing to fire. Voilà. Ok, reste plus que lui et la tourelle. La tourelle nous fait très très chier. Après, on n'a pas besoin de la détruire, la tourelle. On peut faire ça. Je vais voir après ce qu'on peut faire. Le mec est toujours dans le coin comme ça, là, c'est une... Ouf. On va mettre de la volonté à tout le monde. Je crois, ouais, tout le monde. On va faire ça. Il va pas vraiment bouger. Pushing on. Acquiring target. Ouais, bien sûr. Il devrait pas pouvoir faire grand chose. Oh la vache, les dégâts. J'aime bien parce que t'as quand même un pilier, hein. Un pilier qui est censé être du plein, hein. Putain, maintenant il y a l'autre qui me tire dessus. Incroyable. Est-ce que... Just need the right angle. Ouais. C'est la merde l'endroit, la vache. Les snipers, ils vont... pas durer 3000 ans, va falloir les mettre à l'abri. Je sais pas quoi faire, c'est ouf. Je sais pas comment l'attaquer en fait. Par lui bouffer de la vie petit à petit, quoi, c'est. Parce que là, lui il a un fusil d'assaut, ça prend 2 points d'action, donc il pourra tirer au moins une fois. Receiving.
Non, Berserker va faire l'appât. Ready to fire. Bien. Putain de jouer quoi, c'est ouf. Moving to position. Ah bah enfin. Toi par contre toi tu me fais un peu peur. J'ai envie de te soigner en fait. Ah là, ça va. T'arrives à m- Bon après c'est ma faute, j'ai merdé parce que j'avais pas le pistolet je crois. Enfin si j'avais le pistolet. Donc lui il me voit, moi non. C'est ça? Lui il me voit et moi non. C'est quoi ce... la bullshit là? Tu peux pas descendre genre là et lui défoncer ça. Ah ça c'est... Ah ouais non, non ça c'est bullshit par contre. Do we have a plan? Non, là c'est complètement bullshit. Ouais, non, là je suis pas content. Là je suis pas content du tout. Là je trouve ça complètement bullshit. Ok, 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 ok. This is not going well. I'm getting there. Tu vois un peu. Norma devrait pas me voir. Je sais pas si on a besoin de détruire l'étoile, je dirais non. Franchement, je dirais non. Mais si c'est un danger, voilà quoi. Advancing. Normalement, on n'a pas besoin de prendre des objets. Non. Quelqu'un voit la merde là-bas ? Ready for action. I'm on the move. On va se mettre côte à côte. Anyway. Évidemment.
Rien de bien, évidemment. J'ai un doute en fait sur, sur le cette mission là en fait si. I'm on Overwatch. Pas de cible valide. Ah parce que t'es... il y a un toit au-dessus de toi. On verra. Oui, non, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un doute si les objets par terre, on les récupère automatiquement sur cette mission. Right. Normalement, oui, normalement c'est bon. Mais je suis pas sûr. Normalement, on devrait pouvoir le finir avec les snipers. Faut juste pas. Enfin, là, il avait pas mis son bouclier, donc c'était bien. Aïe! Ah putain, tu le vois pas. Toi non plus. Sans déconner quoi. C'est Houdini ce robot. Ready for action. Sans déconner. On my way. Enemy down. Ah, c'est pas fini? Ah si. Ouais, non, pas besoin de tuer les détruire les trois. Mais Rosa, t'as pas fait grand chose. Sniper, c'est pour ça que je veux des snipers. J'ai plusieurs snipers disponibles tout le temps. Honnêtement, c'est sûrement la classe la plus puissante dans Phoenix Point. Alors, ouais, tout ce qui tombe par terre, on récupère. Ok. Très bon, très bon. Donc un fusil Gauss, un fusil à pompe, ça c'est bien, avec des cartouches, ça c'est merci aux Anus qui ont donné leur vie. On a un fusil Gauss et deux chargeurs surtout, c'est bien. Et ben voilà. On a compris un peu cher, mais ça va. Bon, on a vu que ça c'était bien. On a vu que c'était bien. Ça c'est pas mal, hein. Il va être bien lui en Berserker. Je pense qu'il va être bien. On va garder des points. Bon ben voilà, on a... c'est bien passé. Ça s'est bien passé. Donc on est en train de finir l'Hélios. Ouais, on a ça. Je dirais pas non pour avoir un deuxième scarab, honnêtement. Parce que comme ça, on peut les interchanger. Un, il se répare, on prend le deuxième, etc. On prend l'autre. Donc ça, ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Après, il nous faut encore des munitions. Là, le centre d'entraînement est en train de se faire. Notre labo serait pas mal. Quand on aura l'Hélios, on pourra aller là. Ça prend du temps en fait pour voyager, mais du coup on pourra utiliser l'Hélios, il est plus rapide. On va s'arrêter là. Je vais réfléchir à ce que je fais la prochaine fois. De toute façon, la prochaine fois, je pense que
On va attendre en fait que l'Hélios soit fini quand même. Et après on fera cette mission. Donc le cadeau. Et ouais. On fera le cadeau. Ça va être tout un nouveau gameplay. Ça va être un peu chiant honnêtement. Mais ouais, on fera ça. Est-ce que notre scarab est réparé? Oui. Ils sont rapides à réparer. Mais ouais, je pense à un deuxième scarabée. Pour le moment, je pense à un deuxième scarabée. Ça serait pas si mal d'en avoir un. Parce que de toute façon, on n'a pas d'autres véhicules pour le moment. Tristement, on a zéro mission. Avec des vaisseaux abandonnés. Enfin, des véhicules abandonnés, parce qu'il y a des missions comme ça avec véhicules abandonnés. Bon, par contre, on a beaucoup de missions encore avec des caisses. Une ici, ça il faudra la faire en priorité, parce que comme ça elle sera pas dans la brume. Bon, ces deux là elles sont dans la brume maintenant, c'est pas grave, on pourra les faire quand même, ça va être un peu plus difficile, c'est tout. Ouais, donc ça en priorité. C'est à peu près tout pour le moment. C'est à peu près tout. Ça se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et c'était donc les purs qui sont une purge. Voilà. Honnêtement, ils devraient s'appeler la purge. Ils devraient vraiment s'appeler la purge, les mecs. Nous, on va rentrer. On va déjà placer le trajet. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.